Allez-y. Bon, voilà. Notre village de Pétouboli a 5823 habitants. Voilà, tout notre point d'eau, c'est ici. La pompe là, ça marche 24 heures sur 24 heures. Une panne de 5 minutes, ça ne pose de problème. Vous voyez comment les gens avec les animaux sont. Voilà les gens en train de mourir hasardement. Ils sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas de. Tout celui qui dort ici gagne un peu de bidon et part donner à sa famille. Donc comme ça, sa famille même a dormi ici. Hein. Ma famille a dormi ici depuis hier matin. Ils sont là. La Vala, avec son nouveau-né. La Vala assise. Depuis hier, elle était là. Elle est passée la journée hier, dormir, ici, sans venir chez moi. Problème d'eau. Problème d'eau, tout s'écrit. Actuellement, la Pétougouli a suivant le prix. Beaucoup de gens ont parti. D'autres sont partis dans le Mali. D'autres sont partis à Lessame, d'autres sont partis vers Peter-Kouliru, Watanoma, d'autres sont partis jusqu'à Tulfé. Manque d'eau. Ah là, c'est sérieux. C'est sérieux. Voilà, c'est un témoin qui montre que voilà la live, et voilà l'autre effet. Vraiment, si ce qu'on veut, c'est qu'on veut une aide. On demande une aide très urgente en matière d'eau. Pour sauver nos populations. Même pas pour les animaux, pour nous, la vie, être humain. Si c'est possible. C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous allons faire de notre mieux. On va transférer cette vidéo à nos partenaires qui sont très sensibles et je crois qu'ils vont faire aussi quelque chose. D'accord. Mais pour l'instant, on ne peut rien vous promettre, mais vraiment. On compatit à votre douleur, quoi. Nous voyons comment ça ne va pas. Les enfants, les femmes, tout le monde souffre. Si la pompe. Ah, là, c'est le seul pompe aussi. Donc, si cette pompe est gâtée, le village allume du feu. D'autres partent à 12 à 13 km dans le Mali pour gagner des lits. Ah, là, c'est grave. Avec les très bidons. Grave. Et ceux qui ont les moyens de s'arrêter pour aller à Mini. Ceux qui n'ont pas de s'arrêter, même si tu fais 4 jours, c'est ici. Sinon, tu es foutu. Ah ouais. Donc, mais je ne comprends pas. C'est un plaisir. Voilà. Mais c'est pas ça. Est-ce que les autorités là viennent voir des trucs comme ça? Jamais de la vie. On a craint, on a dit, on a parlé partout. Zéro. C'est pas bon. Quand même, voilà. On ne peut pas désigner une population. On a parlé partout. Fait de tout, rien. Pas d'aide, pas de soutien. Pas d'aide, pas de soutien. Là, c'est grave. Bon, vraiment, nous sommes une association et on a des partenaires, on va faire ce que nous pouvons. Voilà. On va les transférer, on va les expliquer. Bon, on pense que bon, il y aura quelque chose en tout cas. C'est la crise d'eau là, vraiment qui gâte notre village. Qui tue les animaux, même des personnes. C'est tout des. Pas pour laver, tu ne vas pas te laver, pour avoir même le problème. Ou bien pour préparer dans la famille, ça te pose le problème. Parce que sans l'eau, on ne peut pas préparer. Ah, là, c'est grave. Donc, certainement, pour essayer de faire comment tu vas faire. Même pour aller au puits, tu prépares la nourriture de 10 jours, 20, 48 et laisser pour la famille avant que tu partes. Pour aller chercher l'eau. Ah ouais. Voilà le prix. Tu vois pas ma femme est là. Elle n'est pas rentrée le marché hier. Elle n'est pas fait le marché. Donc toute la journée d'hier. Toute la journée d'hier, elle n'a pas eu l'eau. La nuit passée et aujourd'hui, si ce n'est pas ici, on ne s'est pas vu aller. Ah là, c'est sûr. Elle est passée, très j'ai dormi avec les autres. Elle est là. Jusqu'à présent, elle n'est pas ici. Et même les chameaux viennent pour boire. Ah là, c'est grave. Viennent pour boire. Il n'y en a pas là où aller. Regarde comment on l'a laissé. Il se bat pour mourir. La chope.
C'est l'autre aussi qui est mort, l'autre qui est là-bas. Voilà, c'est la soif aussi. Toutes les façons, bon, on a vu de nos yeux. On va faire un rapport et on donne à nos partenaires, et puis on les récupère. Ouais. Si vraiment ça vous tape, sinon vraiment c'est une catastrophe. Ça fait pitié de voir ces femmes, ces enfants, être en train de souffrir. D'autres sont là pendant 3 jours, Ah, on va faire ça.